Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur l'horoscope du Lion pour 2024. Donc comme pour tous les autres signes du zodiaque, donc je vais faire un horoscope général ou solaire hein, sur chaque signe du zodiaque, sur les 12 signes. Donc un horoscope solaire, c'est un horoscope général, c'est-à-dire qu'on se base que sur le soleil. Or, dans un thème astrologique, il n'y a pas que le Soleil, il y a toutes les autres planètes, donc c'est pour ça que ça reste très général. Mais ça donne un petit aperçu, voilà, des influences planétaires, on va dire, pour 2024. Donc ça ne remplacera pas forcément la consultation avec un astrologue, avec votre thème personnalisé, qui sera beaucoup plus précis, forcément. Donc on va parler des trois décans du zodiaque. Donc le premier décan du signe du Lion, donc c'est les natifs nés du 23 juillet au 2 août, hein, de manière générale, selon les années bissextiles. Selon certaines années, hein, ça peut être décalé de 1 ou 2 jours, par exemple. Le deuxième décan, c'est les natifs nés de manière générale du 2 au 12 août. Et le troisième décan, ce sont les natifs nés du 13 au 23 août. Donc on va commencer par le premier décan du signe du Lion. Alors, donc les premiers décans donc natifs du Lion, donc qu'est-ce que vous aurez? Donc vous aurez votre Soleil qui sera opposé à Pluton en Verseau du 22 janvier au 1er septembre et du 20 novembre au 31 décembre. Donc qu'est-ce que ça signifie? Bah, c'est vraiment des transformations plutôt assez conflictuelles, assez difficiles. Hein, c'est des changements qui peuvent arriver dans votre vie, c'est compliqué. Alors ça sera surtout le cas pour vraiment les tout débuts du signe du Lion, premier décan, donc les natifs nés entre le 22, 23, voire 24 juillet, on va dire, pour cette année 2024. Les autres, ce sera plutôt les années prochaines. Donc là, c'est vrai que pour ces natifs-là, vous aurez vraiment peut-être des choses à revoir dans votre vie, des événements qui peuvent vous tomber dessus de manière imprévisible, en Verseau, ça peut être des fins de relation, des problèmes avec le père, un mari, un homme, une autorité. Donc il y a peut-être des choses à revoir. Dans le pire des cas, ça peut être des maladies, peut-être voire graves. Hein, mais bon, enfin, forcément, là, il faut voir selon le thème de chacun. Hein, je ne veux pas catastropher, forcément. Hein, ça ne veut rien dire, là, c'est très général. Mais attention, là, vous avez un début d'année qui peut être compliqué, qui va se ressentir à nouveau en fin d'année, hein, à partir enfin, tout au long de l'année, pratiquement. Hein, donc Pluton en Verseau va un peu vous remettre en question pas mal de choses dans votre vie. Hein. Donc il faudra s'attendre hein, peut-être à des choses plus ou moins difficiles à vivre. Alors forcément, il faut voir le thème de chacun. Ce hein, sera plus ou moins fort chez certaines personnes, natives du Lion, premier décan, tout début du signe. Donc vraiment voir en fonction de votre thème, là, j'insiste bien. Ensuite, vous avez Soleil quinconce Neptune du 1er janvier au 1er mars. Donc là, ça peut donner une petite dichotomie entre votre besoin de volonté et vos aspirations. Donc il peut y avoir un peu un trou, là, des sortes de brumes hein, qui se mettent devant vos yeux. Hein. C'est comme si vous n'étiez pas trop clair avec vos ressentis. Peut-être des choses à revoir, des légères déceptions. On s'attendait peut-être à des choses un peu plus optimistes. Donc Neptune vient un peu brouiller les cartes en quelque sorte, mais c'est un quinconce, donc c'est un aspect mineur, donc c'est pas voilà, c'est léger, hein, c'est pas voilà. Donc ça peut être dans le domaine relationnel, professionnel, familial, enfin que sais-je, ça dépend après forcément de votre thème. Ensuite vous avez Soleil carré Jupiter en Taureau du 1er janvier au 21 juillet. Là, ça vous donne beaucoup d'aisance. Vous pouvez vous sentir un peu trop en confiance. Alors, vous qui êtes un signe naturellement plutôt assez volontaire et confiant, sûr de vous, là, il peut y avoir ce côté qui, enfin, vraiment, ça en rajoute en fait. Ça vous donne vraiment de l'exubérance, beaucoup plus d'assurance, encore une fois. Mais peut-être vous pouvez en faire trop. Donc, attention au côté un peu trop vaniteux, trop sûr de soi, qui peut un peu aussi écraser autrui. Hein. Vous pouvez un peu être trop dominant. Ce qui peut parfois générer un peu trop d'excès. Donc ça peut être aussi au niveau de la table, en taureau, attention aux excès, on va dire, des biens matériels physiques, donc nourriture, sexe ou autre. Ça peut être aussi au niveau de l'argent, taureau. Donc faites attention à vos dépenses, par exemple, en ce premier semestre. Vous qui êtes un signe généreux, de manière générale. Donc voilà, il faut être assez plutôt... voilà. Prudent, peut-être un peu plus quoi. Et voilà, de pas trop voir au-dessus de ses moyens. On peut être un peu après un peu trop dépensier ou trop en avoir vu trop grand les choses et on peut être un peu revoir après ses priorités. Ensuite, Soleil sextile Jupiter en Gémeaux en revanche du 26 mai au 10 juillet. Là, ça vous apporte vraiment de l'optimisme, de la bienveillance, beaucoup d'échanges.
Vous êtes vraiment agréable, vraiment une bonne énergie qui influe sur votre tempérament. Il y a vraiment votre présence qui est assez solaire, donc très, très magnanime, très jovial aussi. Donc en Gémeaux, il y a beaucoup de discussions, beaucoup d'échanges. Ça apporte beaucoup de chaleur, beaucoup d'optimisme et vraiment de l'enthousiasme à ce niveau-là. Donc c'est assez positif. Ensuite, Soleil quinconce Mars en Capricorne du 5 au 18 janvier. Là, il peut y avoir une petite tension, on va dire, au niveau nerveuse, des légers conflits ou des légères tensions qui peuvent avoir lieu dans le domaine, alors, soit professionnel ou autre, hein, Capricorne. Donc attention de ne pas rentrer soit en conflit ou être un peu en désaccord avec autrui, ça peut créer des petites rivalités, mais c'est pas méchant, c'est léger. Par contre, Soleil opposé Mars en Verseau du 14 au 27 février, là, vous ressentez vraiment la plus en tension. Donc, ménagez-vous pendant ce mois de février, est-ce que vous allez vous sentir après la Saint-Valentin, là, peut-être trop d'agressivité, peut-être que vous allez vers la volonté d'autrui, ça peut créer des tensions, des schémas de conflictuels. Donc, attention aussi dans tout ce qui est en rapport avec les manifestations, groupe ou rapport collectif ou avec amis, ça peut créer aussi des discordes. Donc, faites attention à ce moment-là, voir des accidents dans le pire des cas. Soleil Trigone Mars en Bélier ensuite du 1er au 14 mai. Donc là par contre c'est plutôt positif pour votre énergie, bonnes actions franches, directes. Vous menez à bien toutes vos actions volontairement, chaleureusement, avec dynamisme en train. Donc il y a vraiment une bonne énergie pour établir plein de choses dans les domaines que vous souhaitez. Tout dépend de votre thème encore une fois. Soleil Carré Mars en Taureau du 10 au 22 juin 2024. Donc là en revanche attention à la tension. Encore une fois, dans un signe où cette planète n'est pas du tout à l'aise, hein, Mars en Taureau est en exil, donc ça peut être une colère rentrée, donc attention à ne pas ruminer trop votre énergie, votre agressivité, parce que ça peut ressortir de manière assez violente et assez, comment dire, assez violente, donc attention de pas rentrer trop dans les conflits non plus, parce que ça peut être une période aussi où vous êtes colérique. Soleil sextile Mars ensuite en Gémeaux du 21 juillet au 5 août. Là en revanche une bonne énergie pour agir en fonction de vos idées. Vous avez des idées pratiques à mettre en place, beaucoup d'intelligence, beaucoup d'idées pratiques et malicieuses, astucieuses en Gémeaux. Donc n'hésitez pas à mettre en pratique vraiment ce que vous avez envie de faire. Donc tout dépend dans quelle maison ça tombera cet aspect. Hein. Ça peut être dans le domaine relationnel, familial, affectif ou autre. Donc en tout cas, pendant cet été-là, il y a vraiment un bon aspect qui se fait pour agir. Soleil conjoint Mars en Lion, donc dans votre signe du 5 novembre au 31 décembre, donc très bonne énergie pour agir sur votre volonté, avec le cœur, avec ce que vous avez envie de faire. Alors tout dépend encore une fois de ce que cette conjonction reçoit comme aspect, ce qu'elle peut recevoir aussi des aspects plutôt négatifs, donc en mauvais aspect, attention à l'autoritarisme, à la tyrannie, à l'intransigeance, ce côté un peu trop impérieux et comment dire, assez. C'est comment dire vouloir commander hein, Mars en Lion, donc attention de ne pas vouloir vous sentir trop imposant qui peut écraser les autres parce que voilà, vous avez décidé d'agir de cette manière, mais ça peut parfois être contre la volonté d'autrui, donc ça peut pas toujours plaire et vous pouvez rentrer en agressivité forcément dans des relations. Donc à voir encore une fois selon le thème de chacun. Ensuite, Soleil Trigone Nonor en Bélier du 25 juillet au 31 décembre. Donc là, bon aspect pour peut-être avoir une avancée sur votre plan d'évolution karmique, comment dire, votre évolution de vie, hein, tout simplement. Il y aura des choses qui se mettent en place intéressantes dans votre vie. Donc rapport avec un homme possible, hein, ou avec une autorité, par exemple. Donc pour s'affirmer, pour aller de l'avant. Et Soleil sextile Lune noire en Balance du 30 juin au 28 septembre. Donc là encore un bon aspect pour sublimer des manques sur le point de vue relationnel. Il y a peut-être un besoin de combler certaines choses et de rechercher des relations. Ça peut être des relations réparatrices dans le couple par exemple, mais dans bien d'autres domaines aussi. Exactement. Pourquoi pas, hein. Donc à voir encore une fois selon votre thème. Voilà ce que je peux dire pour les premiers décans du signe du Lion. Donc ensuite, j'ai parlé du deuxième décan, donc du signe du Lion.
Alors, qu'est-ce qui va vous arriver donc pour vous cette année? Donc, vous aurez votre Soleil qui sera carré à Uranus en Taureau du 1er janvier au 13 mars. Donc là, attention parce que ça peut être un aspect de rupture, un aspect d'imprévisibilité, de tout ce qui vous tombe dessus de manière imprévisible, hein. Donc attention à ce qui peut être fait pendant cette période, ces 3 premiers mois de l'année. On peut sentir, comment dire, il y a une volonté de se démarquer, de se sentir plus libre. Donc attention de ne pas réagir brutalement, de manière assez radicale, hein, parce qu'on va pouvoir se sentir un peu étouffé ou aliéné, donc on va peut-être sentir des sentiers battus, et on peut se rebeller à toute autorité. Donc attention, parce que ça peut être des ruptures, alors ça peut être soit affectif, professionnel, ça peut être dans plein de domaines, donc après tout dépend de votre thème, mais en taureau c'est par rapport avec l'argent, pourquoi pas, ou à vos acquis. Donc attention, parce qu'on peut changer et peut-être regretter certaines choses dans un aspect moins conflictuel. Ça peut être juste sentir plus libre, donc peut-être claquer la porte et se démarquer tout simplement. Mais voilà, attention à vos réactions qui peuvent être assez électriques à cette période. Ça peut être en rébellion aussi envers un homme, une autorité, un père bien sûr, ou autre. Donc ensuite, Soleil quinconce Saturne en Poisson du 2 mars au 31 décembre. Donc là, il peut y avoir un léger, comment dire, problème pour concrétiser certains projets. Il peut y avoir un problème d'assise, d'être plus sérieux, serein, pragmatique. Ça peut donner des légers blocages pour certaines choses qu'on voudrait peut-être établir. Des choses constructives qui peuvent avoir un peu de mal à se mettre en place, mais peut-être des choses à finaliser, à revoir. Bon, c'est un aspect léger, hein, donc bon, faudra pas, voilà, faudra voir après selon le thème de chacun. Ensuite, vous avez Soleil carré Jupiter en Taureau du 22 février au 13 avril. Donc là, ça vous donne beaucoup d'assurance, d'exubération, voire de l'exagération. Donc beaucoup, vous en faites beaucoup, en fait, vous montrez beaucoup, vous êtes très en train à divers projets, à faire beaucoup de choses. Vous pouvez aussi beaucoup dépenser votre argent, hein, en taureau. Alors attention à ne pas trop vivre au-dessus de ses moyens, par exemple, ou être trop généreux, trop dépensier. Ça, c'est une qualité chez vous, mais attention, il y a un revers. Hein, on peut parfois un peu se croire peut-être trop sûr de soi, et parfois on peut avoir des revers de fortune ou des choses comme ça. C'est un exemple. Après, c'est pas forcément le cas. Mais ce qui peut, voilà, c'est la notion en fait de faire attention de pas trop voir trop en grand et de pas être trop suffisant et trop vaniteux et orgueilleux. Parce que là, il y a cette notion à être en faire trop en fait. Et comme le soleil représente votre ego, votre moi intérieur, il peut y avoir aussi une notion de trop s'imposer, d'être un peu trop m'as-tu vu. C'est un peu votre défaut, souvent on dit chez les lions, mais bon, c'est pas que ça, ça peut être un rapport avec l'homme aussi, le père, où il peut y avoir des distances qui se créent, des mésententes, et on peut trop en faire, ou être trop aller à l'opposé, trop dans les excès. Alors c'est pas des excès de table, de nourriture, etc. Donc revoyez un peu vos exigences aussi. Ensuite, Soleil sextile Jupiter en Gémeaux du 10 juillet au 10 septembre. Donc là, en revanche, par contre, c'est un bon aspect de Jupiter. Donc là, beaucoup d'entrain, d'enthousiasme, de communication, d'échange, de déplacement aussi. Il peut y avoir beaucoup de relations avec autrui qui passent bien. Donc bonne énergie qui circule à ce moment-là pour les relations, mais pas que. Ça peut être pendant d'autres domaines aussi de vie. Donc tout dépend de votre thème. Ensuite, Soleil quinconce Mars en Capricorne du 18 au 31 janvier. Donc là, attention, un peu un légère tension, on va dire nerveuse, on peut être un peu sur les nerfs. Donc ça pas forcément des disputes, mais ça peut être voilà des légères tensions palpables dans l'air. Donc ça peut être envers une autorité en Capricorne, ça peut être dans divers projets que vous voulez mener à bien. Donc soyez un peu alerte à ce moment-là. Bon, c'est léger, hein, c'est très passager. Ensuite, Soleil opposé Mars en Verseau du 27 février au 10 mars. Là, en revanche, c'est un peu plus critique. Donc là, la tension est plus palpable, beaucoup plus violente, beaucoup plus voyante, beaucoup plus exubérante. Donc attention de ne pas rentrer en conflit avec autrui, notamment dans des groupes en verso, de manière collective. Ça peut être dans certaines associations, d'amis, que sais-je, ou autre. Donc restez assez calme et pas rentrer dans des disputes voilà, qui sont
qui voilà, qui peuvent. Alors des fois on est obligé de passer par là, mais voilà, si on peut, si vous pouvez calmer vos nerfs et être le moins agressif possible, ça serait bien vécu, ça serait souhaitable. Ensuite, vous avez Soleil Trigone Mars en Bélier du 14 au 27 mai. Là, c'est plutôt positif pour agir vraiment avec votre volonté franche et directe. Donc, n'hésitez pas à établir votre énergie pour vous dépenser, pour faire les actions que vous menez à bien dans divers domaines. Ça sera profitable à ce moment-là. Ensuite, Soleil Carré Mars en Taureau du 23 juin au 6 juillet. Donc là, en revanche, attention, parce qu'à nouveau, risque de tension, d'agressivité. Alors pour des questions peut-être matérielles en Taureau, mais pas que. Tout ce qu'on reparle avec la subsistance, le côté concret. Donc comme Mars est en exil dans ce signe, il n'est pas bien du tout. Ça peut être des colères rentrées. Donc il y a un aspect de aspect colérique à ce moment-là où on rumine facilement certaines choses et on n'hésite pas à un moment donné à l'extérioriser, mais d'une manière un peu imprévisible, enfin un peu après coup, quoi, un peu qui peut déstabiliser autrui. Ensuite, Soleil sextile Mars en Gémeaux du 5 au 20 août, donc là, aspect plutôt positif pour vous, pour les actions, pour agir en fonction de vos idées, voilà, des idées souvent pratiques, ingénieuses, ingénues, astucieuses. Donc n'hésitez pas à faire jouer votre mental, là, vous êtes. Il y a un côté très cérébral à ce moment-là qui vous aide pour établir pas mal de choses hein, dans l'action, dans l'énergie, dans les contacts aussi, c'est intéressant. Et dans d'autres domaines de vie, forcément, selon votre thème. Soleil sextile, lune noire en balance du 28 septembre au 31 décembre. Donc là, bon aspect pour sublimer certains manques en rapport avec les relations. Il peut y avoir un besoin de réparateur là pour certaines, alors ça peut être dans les relations de couple, il peut y avoir des choses qui se concrétisent, voilà, qui se mettent en place, qui c'est beaucoup plus positif pour vous, des relations plus harmonieuses, des choses comme ça qui permettent de vous sentir plus à même, plus à l'aise et en harmonie avec autrui. Donc ça c'est intéressant. Soleil Trigone de Nord en Bélier du 1er janvier au 24 juillet, donc là pendant premier semestre environ, là un bon aspect pour votre évolution karmique, votre évolution de vie. Ça peut être une relation avec un homme, un père, une autorité, que sais-je, qui peut vous aider et qui peut vous appuyer, ou vous-même, avec votre volonté, qui peut vous affirmer pour évoluer vers votre chemin de vie actuel, vers des choses positives pour vous, hein, selon les événements, sur le domaine de vie hein, de chacun. Et Soleil Trigone Chiron en Bélier du 1er janvier au 18 avril et du 13 novembre au 31 décembre, donc deux périodes où un bon aspect avec des réparations de l'âme, cicatrisation des blessures, ça peut être des choses positives pour guérir, pour se sentir soigné, de se sentir bien dans sa peau, dans sa tête, dans son corps. Donc un aspect de guérison, comme on dit. Alors c'est assez subtil, c'est pas forcément on est blessé, on a un problème physique, ça peut, mais c'est vraiment un côté réparateur de point de vue, on va dire intérieur de l'âme. Il peut y avoir des choses positives qui se mettent en place selon ce que vous faites dans la vie. Ça peut être aussi une quête dans un domaine particulier selon le domaine de vie que vous avez, que Chiron traverse dans telle ou telle maison. Donc à voir après, forcément en fonction de votre thème natal de chacun. Voilà ce que je peux dire donc pour les deuxièmes décans du signe du Lion. Et donc enfin, donc j'ai parlé du troisième décan du signe du Lion. Alors, qu'est-ce que vous aurez donc vous pour cette année? Donc vous aurez votre Soleil quinconce Pluton en Capricorne du 1er au 21 janvier et du 2 septembre au 19 novembre. Donc ça donne une petite dichotomie en principe de volonté et de régénération, de transformation. Donc il peut y avoir des petits problèmes, des petits couacs pour vraiment les tout débuts du décan, ceux qui sont nés vers le 12, 13, 14 août, on va dire, du signe du troisième décan du Lion. Donc attention à vous pour. Pardon, ceux qui sont nés pardon, vers le 23 août, par contre, pardon, 22, 23, 24 août, donc il peut y avoir un problème comment je pourrais dire ça, pour vous sentir bien dans votre peau. Il peut y avoir des légères difficultés, alors c'est pas forcément grave, mais ça peut être des choses à revoir, alors ça peut être sur le plan matériel, professionnel, mais pas que. Donc là, il faut vraiment voir en fonction du thème de chacun. Vous avez aussi le quinconce de Neptune en poisson toute l'année. Donc là, pareil, encore une fois, petite dichotomie, c'est la brume, c'est un peu le brouillard, on ne sait pas trop où on va.
Alors c'est léger, on a une certaine vision des choses, mais c'est pas toujours très clair, très net. Donc on peut suivre son intuition, mais attention de ne pas être dans l'illusion, de ne pas se tromper dans ce qu'on veut faire. Donc voilà, il y a une petite difficulté, peut-être des choses à revoir, de ne pas se laisser entraîner, de ne pas se laisser capter pour certaines choses qui peuvent être un peu troubles. Attention, déception aussi avec les hommes, un peu. C'est léger, hein, c'est des aspects mineurs, donc voilà, ça peut revenir en cours d'année, forcément. Par contre, ensuite, vous avez le carré d'Uranus en taureau toute l'année, donc l'attention, pareil, vous êtes un peu sur les nerfs, et puis avoir un côté excentrique, rebelle. Attention de vouloir pas se rebeller contre une autorité, hein, un homme, un patron, ou que sais-je. Parce que là, on peut se sentir vraiment électrique et vouloir tout envoyer balader, entre guillemets. Donc il y a une volonté un peu de s'extraire, de s'affranchir de certaines choses. Donc il peut y avoir ce côté libertaire et très rebelle. Donc on peut claquer la porte, par exemple, dans le pire des cas. Donc attention, ça peut être des possibles ruptures, par exemple, ou volonté de se démarquer, d'être vraiment excentrique ou s'affirmer. Et que ça peut forcément plaire à un entourage ou à autrui, par exemple. Alors forcément, vous êtes libre de vivre votre vie, forcément, hein, de faire ce que vous avez envie, mais ça peut créer des tensions, voilà, tout simplement. Vous avez Soleil carré Jupiter aussi en taureau, du 14 avril au 25 mai, donc là, attention encore une fois à l'exagération, à tout ce qui est en rapport avec votre volonté, vous voulez vous mettre trop en avant, il y a une volonté de m'as-tu vu, d'être trop égocentrique, d'être trop suffisant aussi. Alors, il y a ce côté un peu aussi trop dépensier, hein. Attention à l'argent, Jupiter en taureau peut dépenser plus que ce qu'on a, ou être trop sûr de soi et être trop enthousiaste et trop voire trop en grand pendant cette période. Donc attention, revoir ses priorités, revoir certaines choses, hein, parce qu'on peut après se dire qu'on a vu un peu trop grand par rapport à ce qu'on pouvait faire. Et revoir un peu, voilà, il faudra se ménager, on va dire, entre guillemets, être un peu plus mesuré. Donc tout dépend des domaines de vie, forcément. Ça peut être au niveau affectif, professionnel ou autre, selon votre thème. Ensuite, Soleil sextile Jupiter en Gémeaux du 11 septembre au 6 novembre, donc là c'est plutôt positif. Enfin, un bon aspect, on va dire. Alors donc là, c'est plutôt positif sur les relations, sur les échanges, la communication, les déplacements. Beaucoup d'entrain, volonté de discuter, de beaucoup échanger, de beaucoup parler sur divers sujets. Ça peut être voilà, d'avoir des contacts divers et variés. Donc très bonne énergie là à ce moment-là, dans divers domaines forcément, qui peut tomber dans votre vie. Hein. Ça peut être sur le plan familial aussi ou professionnel, que sais-je. Les voyages, intérieurement, les amitiés et autres. Ensuite, Soleil Trigone Mars en Sagittaire du 1er au 4 janvier. Donc, en début d'année, vous avez une bonne énergie pour vous dépenser, pour agir en fonction de votre idéal. Ça peut être bien pour le sport, ça, pareil, les fêtes, pour se dépenser. Ça peut être bien pour une bonne énergie, pour bouger, voyager, faire des choses qui vous plaisent, pourquoi pas. Par contre, un petit quinconce Mars en Capricorne juste après, du 1er au 13 février. Donc attention là, avec un peu de légère tension avec l'autorité peut-être. Capricorne au travail. Il peut y avoir des petites frictions. Alors c'est léger, c'est bon, voilà, ça ne mène pas à des grosses disputes, mais peut avoir des petites mésententes. Voilà. Donc à revoir certaines choses au niveau de l'énergie, une légère agressivité dans l'air. Soleil opposé Mars en Verseau du 11 au 22 mars ensuite. Là, en revanche, il faut faire attention. Là, beaucoup d'agressivité beaucoup plus marquante. On peut se sentir, comment dire, réformateur, rebelle, on peut affronter un groupe ou être en conflit avec un groupe, une amitié, des amis. Donc attention à vouloir agir selon vos convictions. Il y a un côté provocateur aussi qui peut être mal vécu ou mal perçu. Donc faire attention aux querelles, aux disputes. Soleil Trigone Mars en Bélier ensuite du 27 mai au 9 juin, là c'est plutôt positif pour agir de franche, de manière directe, de manière spontanée. Avec votre volonté, beaucoup d'énergie, en vous-même, avec un homme aussi, pourquoi pas, en relation avec un homme ou une autorité. Donc là, il y a une bonne énergie pour agir. En revanche, Soleil carré Mars, juste après, en taureau, du 7 au 20 juillet. Donc là, un début d'été un peu compliqué, on peut sentir des énergies assez néfastes, assez conflictuelles. Mars en taureau, c'est un aspect de colère, de colérique, où la colère est rentrée, il y a du mal à ressortir, donc il y a un aspect de rumination,
Voilà. Donc, il faut arriver à se ménager et de ne pas prendre trop à cœur certaines choses et de ne pas le ressasser trop longtemps parce que ça peut être assez négatif pour vous-même. Donc, ça crée forcément des conflits, après coup, des mésententes, des aberrations aussi, des moments un peu désarmants qui peut être un peu compliqué. Donc, ménagez-vous aussi à ce moment-là. Soleil sextile Mars en Gémeaux du 20 août au 4 septembre. Donc là, en revanche, une bonne énergie à nouveau pour agir en fonction de vos idées. Il y a ce côté mettre en application certaines choses très très cérébrales, très astucieuses, très ingénieuses en Gémeaux. Donc agissez vraiment avec intelligence. Il y a vraiment un côté qui vous aide à ce moment-là. Donc très positif pour cette période avec une bonne énergie. Et enfin, Soleil conjonction en Bélier du 19 avril au 12 novembre. Donc là, c'est un aspect mi-figue, mi-raisin. Tout dépend des aspects que recevra cette conjonction. Donc dans un bon côté, ça peut apporter des réparations sur le point de vue de l'âme. Hein, il peut y avoir un côté réparateur au niveau symbolique, au niveau psychique ou physique. Alors tout dépend dans quel domaine forcément de maison ça peut être. Ça peut être une quête dans un domaine particulier qui vous tient à cœur. Mauvais aspects, attention de ne pas tomber pareil dans des choses qui vous font un peu du mal, qui vous blessent, des actions qui peuvent être un peu délétères. Donc faites attention à ce que vous pouvez faire à ce moment-là, être un peu mesuré, on va dire, et ce qui peut être dit et fait. Donc mais sinon, plutôt aspect, on va dire, correct et positif de manière générale. Donc voilà ce que je peux dire sur les trois décans du signe du Lion. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Vous pouvez me consulter aussi si vous le souhaitez. Vous avez tous les détails en dessous de la vidéo, en description, hein. Et quant à moi, bah, je vous dis à la prochaine vidéo donc pour le signe de la Vierge. Au revoir.